qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que c'est ça, par exemple ? Alors ça, c'est une plaque de verre photographique que tu peux regarder en transparence, wow, à la lumière, comme ça. Fantastique. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, voilà, justement. Ça, c'est des originaux, et je pense que ça doit correspondre à cette plaque de verre. Alors, quand tu me dis original, c'est-à-dire ça, c'est, ouais, le tirage qu'il a fait à partir, voilà, de la plaque. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis en train de regarder une photo qui a quasiment plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Ah, plus, oui, de 100 ans, quoi. Ah, oui. Wow. À l'époque, on n'a pas des appareils très perfectionnés. Il y a, oui, notamment le problème des temps de pose et de lumière. Là, comment il apprend cette photo en intérieur ? Alors là, tout le monde est figé, il leur demande plus bouger, tout est mis en scène. Il a fait la décoration, il est venu avec sa propre décoration. Et quand on analyse cette photo, on se rend compte que la lumière vient d'en haut et des côtés. Donc, ce qui nous a laissé entendre et fait comprendre qu'il agissait parfois dans des ruines, avec des murs cassés et le toit complètement découvert. Il a enlevé les tuiles. Quasiment un décor, mais un décor qui a pour objectif de rendre compte d'une réalité. C'est ça, il a inventé le labo photo, quoi. À une époque où souvent il y avait des faux décors peints derrière, lui, non, il voulait vraiment une authenticité la plus réaliste possible. Les gens de peu, les bergers, qui voyaient arriver cet homme qui faisait des miracles, quelque chose de miraculeux, voyant apparaître un spectre sur une plaque de lumière comme ça, ils l'ont appelé l'Oulimageir, ce qui veut dire l'imagier. Et il a préféré ce terme-là. C'est plus poétique, hein. Beaucoup plus, ouais.